parce que t'affrontes des vrais guerriers. Ils ont fait la même astuce d'affaire avec les boxeurs québécois. Les boxeurs québécois, ils avaient des super de belles fiches. Puis aussitôt qu'ils arrivaient contre un vrai champion, ils mangeaient une volée. Mm. Ils disaient tout le temps, gars, comme Jean-Pascal, ah, 35 victoires, aucune défaite. Ils affrontent un champion, ils mangeaient une volée phénoménale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais battu des vrais combattants. Ils ont monté une belle fiche. Ça s'est arrivé qu'il y a des personnes qui ont eu zéro défaite? Il y a Ronda, ils ont fait une belle fiche en montée. Elle a pogné un adversaire redoutable, elle a perdu. Elle a essayé de revenir, mentalement elle était affectée, elle a reperdu. Elle a jamais retourné dans la MMA. Ça va durer combien de temps? 30 minutes, ça? Je sais pas, Jay, regarde ce soir. Parce qu'il n'y a pas de 1 de croix. Ça me manque qu'elle a perdu son combat dans l'UFC. Elle avait mangé un coup de pied sur le bord de la tête, puis après ça, elle était complètement désorientée, puis elle a perdu. Tu sais qu'un coup de pied, ça fait plus mal qu'un coup de poing sur la tête, hein? Coup de pied, là, cow! Si t'as un bon coup de pied sur la tête, là... Check! Elle l'a poigné solide! Passe! Il n'y a rien de fake, là. Puis Shayna, n'oublie pas, hein, c'est le Submission Specialist. Mm-hmm. C'est une spécialiste de l'abandon. Ronda Rousey aussi. Avec son cru de bras, là. Tu vois, sa portée de bras à Shayna est plus longue, aussi. Elle va la chercher. Ronda n'est pas capable d'aller la chercher. Mm-hmm. C'est un nez, ça. Il a pas sur le nez ou ça? Ah, sur le nez. Il a pas carré sur le nez. C'est ça. BOM! C'est une nez, toi! La peine, c'est que c'est deux grands amis en réalité. Hein. Tu sais, dans l'autre, ils font semblant que ça ne pue. Hein, mais... Tu sais que la première à tenir le bébé de Wanda, c'est Shayna. Hein? Ouais. C'est pas Wanda. Je pense même que c'est sa marraine. C'est moi. Ouais, je pense que c'est sa marraine. J'espère que bébé Wanda voit pas ça aujourd'hui. Hein. Parce qu'elle va dire, ma marraine est méchante. Ben, c'est ça qu'elle a dit à Shayna dans l'entrevue. Elle se dit, mon seul regret de faire le combat contre Wanda puis de la battre, elle dit, c'est que mon neveu, ou ben, en tout cas, je sais pas si c'est une fille ou un gars, elle a dit elle va marier pour avoir battu sa mère. Ouais. La force de Shayna, yeah, elle s'est relevée avec l'autre d'un bras. Ça, c'est de la puissance, mon ami. T'as vu qu'elle n'a jamais lâché? Tu sais, quand elle s'est fait pousser par la troisième corde. Tiens, mon âme. Brisk, zéro. J'ai même pris une photo. Avant que... 0 gramme de sucre. J'ai même pris une photo. Avant que tu arrêtes de la manger. Aucun sucre. Tu touches les doigts à la fin quand t'as tout fini de manger, quoi. Un, deux, trois, tchip. Ok. C'était fort. Non, mais c'est bon. Merci pour la... Tant que c'est celui pas partout. Non, mais merci pour l'idée. La seule affaire qui est pas bonne pour la santé, il y a de l'aspartame. Mais l'aspartame, en raison quantité raisonnable, c'est pas si mauvais que ça. Comme ça, c'est correct. J'ai une idée. Vas-tu y retourner ou y retourne pas? Elle est blessée. Toi, tu dégages, tu me laisses faire mon combat, tu fermes ta bouche. Je sais, c'est ça qu'elle a dit. C'est ça que j'aurais dit chez Shrein. Toi, j'ai envie de me lisser, mais je veux pas. Elle a enlevé son mouthpiece, hein? Qui? Shayna. Elle a payé le mouthpiece pour le décrocher. Ils font pour de vrai, là? Sœur, est-ce-tu, Shayna? Sœur! Est-ce qu'ils font pour de vrai? Ouais.
C'est un vrai combat, Jay. C'est de la vraie MMA. C'est... fini. Shayna est plus fort. Tu sais, je connais un gars qui a fait une clé de bras à un gars dans UFC, là. Il est mort. Il a pas abandonné, hein. Il forçait pour de vrai. J'ai un gars, il avait fait une clé de bras à un gars. Tu veux qu'elle l'a renversé à la clé de bras? Elle s'en est sortie. Non, non, mais il y a un gars, j'avais vu pas dans UFC, là. Il faisait une clé de bras, là. Il était en train de péter le bras à l'autre gars, puis le gars, il abandonnait même pas. Parce que le gars, le combattant, il l'a dit, il aime ça la douleur, il aime ça le sang, c'est un fucking. Hein. Il s'appelle Tony Ferguson. Il fuck toi. Elle l'abandonnera pas chez lui. Ouais, ben, c'est le début du match. C'est sûr. Ah, Shayna est plus tough que Ronda. C'est lésé. C'est fini. Non. Croise les jambes, sors, c'est terminé. Non. C'est le gars. C'est qu'est-ce qu'il a fait. À l'attaque. Il est en train de faibler. Fini. Terminé. Mm-hmm. J'ai dit, Shayna, t'es plus fort. Je m'en fous. Ça, c'était pas dans mes 4 lutteurs que je voulais qu'ils gagnent. Moi, je voulais qu'elle gagne. Pas moi. Je sais qu'il y aura un match revanche. Il n'y aura pas de revanche. Ronda, elle arrête de lutter. Ça, on va s'occuper de sa famille. Pendant ce temps-là, Shayna devient une grosse vedette. Ah, mais je savais pas, moi, c'était pour s'occuper de sa famille. Si tu me l'aurais dit avant, j'aurais dit c'est Shayna qui gagne. Moi, je pensais que c'était un match comme ça, là. Elle vient d'avoir un bébé, Ronda. Ça fait même pas un an. Sérieux? Ouais. Si tu me l'aurais dit avant, j'aurais dit ok, c'est Shayna qui gagne. Ça l'a étourdi, mon homme. Tu me dirais c'est du fake, hein? Je te dirais.